Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel ATV qui portera aujourd'hui sur les armures héritage. Et en fin d'épisode, nous aurons un nouveau segment, Loremaker Guide to the Galaxy. Vous apprendrez tout ce que vous voulez et ne voulez pas savoir sur l'univers de Star Citizen. Mais comme toujours, commençons d'abord par le studio update avec Ricky Jetley. Les équipes chargées des personnages ont commencé à travailler sur un système de reflets pour la vitre des casques, ajoutant toujours plus de réalisme. De nombreuses animations ont été peaufinées pour les donneurs de missions et les PNJ. Les animations d'approche commencent à prendre forme. I'm in the thick of it. Maybe some other time. L'équipe d'animation travaille à ajouter plus de personnalité aux marchands, comme avec ce personnage éternellement ennuyé. I'm not even supposed to be here today. Why can't anyone put things back where they found them? It's not my job to pick up after you. Le Quantum Link fait aussi des progrès, avec cet exemple d'IU qui servira lors de la phase de calibration. L'équipe chargée du gameplay est aussi en phase de test pour le Quantum Link, et est également en train de tester la courbure des sauts quantiques. Les variations visuelles des marques pour les consoles d'achat ont été ajoutées et sont en train d'être testées. Le système de groupe fait son apparition dans la structure des chats, avec le futur ajout de Spectrum dans le Mobiglass. Les visuels pour les lasers de minage et les rayons tracteurs ont été améliorés depuis les précédentes vidéos, et on peut nettement voir la différence. Nous pouvons aujourd'hui apercevoir quelques progrès faits sur la distribution de puissance. Dans cet exemple, on peut voir comment l'équipe des véhicules fait varier la priorité de la distribution d'énergie, et comment cela se reflète sur l'interface du vaisseau. Ensuite, nous pouvons voir les progrès faits sur le système de scan, qui sont dans l'attente d'ajout d'effets. Certains de ces éléments peuvent être aperçus ici, dans une des versions les plus récentes du visuel. L'équipe chargée des accessoires continue de remplir le jeu au maximum, avec toujours plus de matériel, comme l'ajout de ses projecteurs mobiles ou de ses chariots élévateurs, sur lesquels on aperçoit un visuel de dégradation pour augmenter la diversité. Ils ont également trouvé une nouvelle utilité au système de dégradation des vitres, que nous avions pu apercevoir dans Squadron 42, comme ici avec les serres. Et enfin, encore quelques aperçus sur le développement d'Hearthstone et de ses environs, où les développeurs travaillent d'arrache-pied pour sa sortie à la 3.3, et continuent d'ajouter des éléments dans les palettes d'habillage des différents biomes. Ils travaillent aussi sur des moyens potentiels pour les joueurs de pouvoir placer des bâtiments eux-mêmes. Et voilà pour ce studio update. Passons donc au sujet du jour, les armures héritage. Le but derrière ces armures héritage est d'ajouter toujours plus de diversité et de créer également des versions plus vieilles des armures actuelles pour donner plus de profondeur au jeu. Ces armures feront donc leur apparition à la 3.2 et les développeurs sont enfin prêts à montrer leur travail. Si les développeurs ont eu la nécessité de les retravailler, c'est parce que le design devait correspondre au modèle actuel mais devait également fonctionner avec le système de modularité. Il fallait donc que le design rappelle les armures actuelles, sans pour autant trop y ressembler. La modularité sur des armures est toujours un problème, car les modèles finissent souvent par se ressembler pour qu'ils puissent être intercompatibles. Nous retrouvons donc les hors-la-loi et les marines comme modèles pour ces armures héritage. Les développeurs souhaitaient vraiment que pour les marines, on pense à quelque chose d'historique, et que cela fasse immédiatement penser à une ancienne version de l'actuelle. Donc les armures que nous avons eues jusque-là sont les nouvelles versions. Et à la 3.2, nous aurons droit à des versions antérieures. Vous les trouverez peut-être dans des magasins spécifiques avec des ambiances plus thématiques pour ces armures. Pour les pirates, les développeurs voulaient les refondre, mais garder le même esprit et retrouver ce côté méli-mélo de matériaux pour ne pas que l'on puisse se dire que tout vient d'un même constructeur. Il s'agissait d'avoir quelque chose d'assez similaire et les ramener au standard actuel et de s'assurer qu'elles fonctionnent avec le système modulaire. Ce système modulaire permet aux joueurs d'avoir un contrôle fort sur la personnalisation de leur armure. Tout en gardant une thématique militaire, ils pourront utiliser des pièces provenant de différentes armures. Cela vaut également pour les PNJ, car il suffira de mélanger quelques éléments pour créer rapidement une grande variété d'ennemis. Grâce à leur travail, les équipes artistiques ont aujourd'hui plus d'une centaine de variations possibles pour les armures. Et chaque armure possède une vingtaine de variations de couleurs. À l'origine, les différentes armures de pirates et de marines ont été conceptualisées par plusieurs artistes, ce qui permettait d'avoir de l'originalité, mais posait un problème d'unicité dans les designs. C'est pourquoi la refonte a permis de retrouver un design commun entre les différents types d'armures, et de ne plus avoir cette impression de disparité.
Au départ, il a été déroutant pour les artistes de créer un design moins poussé d'armures déjà existantes. Pour pallier à ce problème, ils ont décidé d'utiliser plus de matériaux souples, comme le cuir ou le tissu. L'exemple le plus parlant est la version lourde de l'armure des marines, qui montre l'énorme quantité de matériaux différents utilisés. L'avantage de ne pas avoir une armure uniforme est que cela permet d'ajouter beaucoup plus de détails, et par là même de raconter une histoire. Pour l'armure légère des pirates, les artistes sont partis de concepts déjà existants, et les ont retouchés en y ajoutant leurs pattes. L'armure pirate s'éloigne drastiquement de l'armure des marines. Il s'agit de ne pas être recouvert de métal, mais d'avoir quelque chose de plus sophistiqué visuellement. Par exemple la cape, la veste ou le pantalon, où l'on voit apparaître beaucoup plus de tissu ou de cuir, avec très peu de surface métallique. Cette armure a offert quelques défis aux artistes, car comme elle est extrêmement légère, il fallait s'assurer que non seulement le rendu soit beau entre les pièces d'armure et les vêtements, mais il fallait aussi s'assurer que le système reste modulaire, sans briser l'esthétique. Les armures peuvent être découpées en 4 régions. La tête, les bras, le torse et les jambes. Le challenge fut donc de les rendre esthétiquement intéressantes, tout en respectant les zones de coupe qui délimitent la jonction entre chaque zone. Pour les artistes, un design est réussi lorsque vous versez de l'eau sur votre personnage et qu'aucune ligne ne vient stopper l'écoulement de celle-ci, car pour eux, le regard d'un humain est comme de l'eau s'écoulant sur l'objet. Le design des armures actuelles a été créé avec cette idée en tête. Lorsque les artistes sont passés aux armures héritage, ils ont tenté de moins respecter cette règle, pour que l'on puisse sentir l'évolution esthétique entre les époques. Avoir des armures héritage en jeu permet de montrer l'écoulement du temps, donc vous n'avez pas l'impression de pénétrer dans un univers qui viendrait d'être créé. Chez les PNJ, ou dans un univers en général, il y a eu des guerres, il y a eu des souffrances et des innovations. Il s'agit donc de réussir à raconter l'histoire du monde à travers ces armures. La bonne nouvelle est donc qu'à la 3.2, nous aurons 6 nouvelles armures à ajouter à notre collection. Et toutes les pièces d'armure, y compris celles déjà en jeu, seront interchangeables entre elles. Et voilà pour les armures héritage. Passons donc maintenant à Lore Maker Guide to the Galaxy, où nous allons approfondir nos connaissances du système Osiris. Le système mesure 2,3 unités astronomiques de large. Au centre de ce système, on peut trouver une étoile de type orange, similaire à notre Soleil. Ce qui est intéressant sur ce système est qu'il est le premier à avoir participé au Fair Chance Act. Le Fair Chance Act est un programme qui place une planète sous protection lorsqu'une espèce en voie de développement est détectée. Le système en lui-même a été découvert en 2788. Ce fut un spationaute en permission dans le système voisin, le système Gauss, qui découvrit ce système. Ce spationaute était quelque peu rabat-joie, puisqu'au lieu d'aller à la plage avec ses collègues, il décida de continuer à travailler et de réparer un vaisseau de scan en mauvais état. Une fois le vaisseau réparé, il décida d'aller faire un tour pour le tester. Sur le coup, il pensa que ses réparations n'étaient pas bonnes, car il recevait de signaux étranges. Il vérifia ses réparations et il s'avéra que le travail a bien été fait et que les signaux reçus étaient ceux d'un jump point à proximité, celui pour le système Osiris. Seulement, la nouvelle de cette découverte a été atténuée par des problèmes politiques, puisque dans cette période, le sénateur Hacker était allé négocier la paix avec l'empereur Xian, Kray. Cela a été un énorme coup dur pour le régime de l'empereur Messer, puisque ce traité a été négocié dans son dos. De peur de voir son régime s'effondrer, Messer a préféré consolider son pouvoir plutôt que de s'intéresser à l'exploration. Le système Osiris est donc passé inaperçu. En 2792, le massacre de Garonne 2 a eu lieu. Une population entière originaire de cette planète a été tuée par terraformation. Un élan de protestation a suivi cet incident, suffisant à déstabiliser le régime Messer et à voir apparaître une nouvelle UEE dirigée par Erin Toy. Et la première décision prise par ce nouveau gouvernement fut de mettre en place le Fair Chance Act, qui doit protéger les espèces de l'éradication tel que cela a été fait sur Garonne 2. Lorsque ce nouveau gouvernement finit par s'intéresser au système Osiris, la première chose qu'ils découvrirent au cours de leurs enquêtes fut une espèce en voie de développement sur Osiris 1. Ils ont donc très rapidement réagi pour placer tout le système sous la protection du Fair Chance Act. Ce fut donc un moment historique. Mais de rapides inquiétudes se firent sentir. Beaucoup de sénateurs conservateurs s'inquiétaient du coût que la protection du système allait avoir. Il a donc été décidé par la suite de vendre des licences exceptionnelles concernant l'exploitation de la géante gazeuse Osiris 2. Nous pouvons donc retrouver sur cette planète aujourd'hui des raffineries et des collecteurs, ainsi que des stations pour les ouvriers. L'accès aux ressources d'Osiris 2 est très réglementé, mais la Nevis concentre surtout sur le centre du système,
Il y a donc une forte influence humaine sur l'extérieur du système. Et beaucoup de scientifiques qui étudient Osiris 1 se plaignent de cette influence. Car beaucoup de hors-la-loi et de contrebandiers opèrent depuis les différents avant-postes extérieurs. Ils essaient tout de même de faire profil bas, car si leur commerce devenait trop lucratif, la Navy s'empresserait de les faire effacer de la carte. L'UEE a aussi tenté de vendre des licences pour exploiter la ceinture d'astéroïdes du système, car elle est l'une des plus grosses de l'UEE. Seulement elle est tellement dense qu'il est très hasardeux de se risquer à l'exploiter, car il s'y passe énormément de choses. Ils n'ont donc pas réussi à vendre beaucoup de licences au vu de la dangerosité, mais il leur arrive de faire quelques contrats concernant les astéroïdes qui se dirigent vers Osiris 1 et qui mettraient la planète en danger. Concernant la planète Osiris 1, aussi appelée Ethos, il s'agit de la planète la plus peuplée du système et possède une station d'observation, la station Cobalt. C'est depuis ici que les scientifiques et les militaires de la Navy surveillent la planète. Depuis quelques temps, il commence à y avoir aussi du tourisme. Certaines personnes ont pu avoir une autorisation pour visiter la station. Car récemment, un contrebandier avec une cache remplie de singes a été découvert. Il aurait été trop risqué de renvoyer le vaisseau avec les singes sur la planète. Il a donc été décidé de garder les singes qui ont été en contact avec le contrebandier dans la station. Des habitants ont été créés pour eux, c'est pourquoi des touristes viennent les voir. Et nous avons aujourd'hui deux courants d'idées à propos du Fair Chance Act. Certaines personnes souhaitent soutenir ce projet et estiment que l'humanité n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. D'autres, au contraire, pensent que l'humanité a le devoir de permettre à ces espèces de s'élever au-dessus de leurs conditions. Pour la planète en elle-même, elle se situe pile à la bordure intérieure de la zone d'habitabilité, représentée par une zone verte dans la Star Map. La surface de la planète est très chaude et inhospitalière, donc même si quelques espèces survivent, ça et là, la planète n'est pas idéale pour la vie. Les créatures vivent dans une forme de réseau souterrain naturel, où l'on peut retrouver par exemple des crustacés épineux ou des sortes de pancakes glissants, sorte de disque gélatineux glissant le long des murs. Mais si la planète a été protégée, c'est grâce à l'espèce simienne présente ici, qui a commencé à développer une forme de société et pourrait se développer dans le futur. Il est difficile d'observer ce genre de société dans le cadre des Fair Chance Act, car il n'est possible de les observer que depuis la station, avec un télescope par exemple, ou de plus près avec un drone. Mais cela est extrêmement risqué. Récemment, il y a eu de l'agitation chez les scientifiques, car un groupe de primates a été retrouvé avec le corps d'un contrebandier, qui n'avait rien à faire là. Les singes ont donc été vus en train de s'intéresser à l'équipement qu'ils ont trouvé sur lui, ce qui inquiète grandement les scientifiques. Vous savez donc maintenant tout ce qu'il y a à savoir et à ne pas savoir sur le système Osiris. Il est intéressant de voir que plus l'UEE se développe, plus le Fair Chance Act progresse. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter et me laisser un pourboire sur Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt. Around the Verse.